Yo la team Pika, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui je me suis réveillé en me disant pourquoi je ne fabriquerai pas un pistolet à papier toilette. S'il vous plaît dites moi que vous aussi des fois vous avez des idées connes comme ceci et que vous vous dites faut que je la fasse. Bah c'est exactement ça, qui se réveille un matin et se dit je vais fabriquer un pistolet à papier toilette? Moi peut-être. C'est exactement ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui les amis. On va fabriquer un pistolet à papier toilette géant. Attention, ça va être un bazooka le truc. Si vous validez cette vidéo les amis, n'hésitez pas à mettre un gros like, je compte sur vous. Si jamais il y a plus de 5000 likes les amis, je ferai un épisode 2 où je fabriquerai une autre arme. C'est pour ça, mettez-moi en commentaire quelle arme je pourrais essayer de fabriquer. Si jamais vous avez une idée, vous me le dites en commentaire. Mais le plus important les amis, c'est de vous abonner. Abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos. Parce que si jamais vous n'êtes pas abonné, vous verrez pas les prochaines vidéos. Et surtout que c'est gratuit. Gratuit les amis, du coup faut s'abonner. Bon, pour fabriquer mon pistolet à papier toilette les gars, j'ai eu du mal. Je me suis dit avec quoi je peux fabriquer ça? Un sèche-cheveux? Pas assez puissant. Et je me suis rappelé qu'au local, les amis, dans ce local-là, on avait un genre de... Comment on appelle ça déjà? Mais j'ai oublié le nom. C'est pas un sèche-cheveux géant, non. Mais j'ai oublié le nom. Bon, je vais vous montrer l'objet en question. Est-ce que vous êtes prêts? Les amis, voici la sulfateuse. Bon, c'est pas du tout une sulfateuse. C'est un... Mais j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom de cet objet. Les amis, il faut que vous m'aidiez en commentaire à me dire comment s'appelle déjà cet objet parce que je ne me rappelle plus. Ça aspire et ça souffle sur les feuilles. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer notre vidéo les amis pour fabriquer notre pistolet à papier toilette. Donc c'est très simple, notre objet ici va devoir souffler du papier toilette. Mais pas n'importe comment, hein. Moi je veux que ça lance tout le papier toilette en moins de 1 minute. Donc il va falloir que je trouve un système en fait pour accrocher ça comme ceci. Et que quand ça souffle, bah quand ça souffle en fait ça jette le papier toilette. Comment je vais fabriquer ça? On va trouver. Déjà on a ça, je sais toujours pas comment ça s'appelle. Il va nous falloir les amis un support pour tenir notre papier toilette. Et pour ça, on va chercher quelque chose ensemble. Donc c'est parti. Hop, hop, hop. Les vidéos de Pika, elles sont pas du tout programmées, planifiées ou ce que vous voulez. Ça se vit au jour le jour. Et on va chercher ensemble. Parce que j'ai aucune idée à comment on va... on va fabriquer ça. C'est parti. Allons chercher quelque chose quelque part. Genre un cintre, un truc en fer, je sais quoi. Bon, déjà, je pense que ici, il n'y a rien du tout. Enfin, il n'y a rien qui va pouvoir nous aider. Je pense peut-être dehors. Oula, il n'y a rien ici, là. Il n'y aurait pas quelque chose là qui pourrait nous aider. Non. Non, non, non. Je vais te donner quoi là? Un casque. Oh, ça, vous savez ce que je vais en faire de ça? Ça, je vais le prendre et je vais la mettre dans le R8. Parce que comme bientôt je change la ligne, elle va faire du boucan. Et peut-être qu'il y a des passagers qui vont avoir mal à la tête. Du coup, ça va pouvoir être drôle de mettre ça dans la boîte à gants. Bon, sinon, où c'est que je peux trouver un truc? Là-dedans, il y a quoi? Oh! Mais ça, là, c'est pas mal, ça. Seul truc, c'est que faut que je trouve quelque chose là qui tienne. Parce que là, sinon, il va s'en aller le papier toilette. Mais c'est pas mal, ça. Non, il n'y a rien. Mais écoutez, je pense qu'on va partir sur ça. Hein. Ça a l'air d'être la meilleure idée. Bon, les amis, c'est bon. On a notre support pour le papier toilette, enfin, qui ressemble. Il va nous falloir du scotch aussi pour scotcher tout ça. Le scotch, normalement, il y en a quelque part par là. Ça, c'est une vieille tête de vieux. Regardez comme c'est horrible. Il n'y a pas de scotch là-dedans. Un scotch là-dedans. Là, il y a du scotch. Les amis, c'est parti. Hop, hop, hop. On a, du coup, notre objet, qui je sais toujours pas comment s'appelle. On a notre rouleau à pinceau, à peinture. Et on a notre scotch et notre papier toilette. Donc, le truc, c'est qu'il faut que notre papier toilette arrive, genre, ici. Comme ça, ça va le souffler. Du coup, il faudrait que ça, on arrive à le scotcher là. Enfin, quelque chose comme ça, ça, après, on le met ici. Ah ouais, ça va être incroyable. Bon, déjà, on va scotcher ça. Alors, bon, et ça, n'hésitez surtout pas à le faire chez vous, hein. Parce que bon, ça fait de mal à personne, ça peut être drôle. Juste peut-être du gaspillage de papier toilette. Mais vous pouvez toujours le récupérer, donc c'est pas vraiment du gaspillage. C'est juste que c'est moins pratique pour prendre du papier toilette. Oh, ce chantier, les gars, incroyable. Mais ça a l'air de tenir les amis, voici, voilà. On a notre canon avec notre support ici, parfait. On prend le papier toilette, on recharge. Donc là notre arme est rechargée et prête à être lancée. Par contre ça là, ça me plaît pas ça, vous voyez ça bouge comme ça là. C'est pas ouf, c'est pas incroyable. Faudrait un truc là, quelque chose qui tienne pour pas que ça bouge. Et je viens d'avoir une petite idée avec un petit morceau de carton comme ceci là. J'ai fait un rond. Je vais le mettre là, là. J'arrive à transpercer ça. Et je n'y arrive pas. Super. Alors, bam, voilà, comme ceci, c'est pas mal. On va le scotcher. Voilà, c'est histoire de...
histoire que ça tienne vite fait, hein. Faut pas que ça tienne de ouf en fait, parce qu'après quand je vais vouloir recharger, va falloir enlever ce carton. Ça c'est pour pas que le papier toilette genre il parte. Bon ben parfait, impeccable. Bon du coup les amis, voici mon pistolet à papier toilette. À mon avis là ça va faire mais une dinguerie, une très grosse dinguerie. J'ai envie d'essayer ici. Est-ce qu'on essaye ici ou c'est une mauvaise idée? On va essayer. Faut tester, attendez, faut tester l'invention quoi. Ouh, est-ce que ça va marcher les amis? Est-ce que vous êtes prêts? Eh, si jamais ça marche de ouf, après on essaye dans le local. Attention, 3, 2, 1. Quoi cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi ça marche pas là? Oh putain merde, il s'est aspiré le bordel. Il a aspiré. Ok, c'est bon. Le truc il était mal enclenché en fait. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Ok les gars. Oh ça part, regardez comment ça part. Regardez le papier toilette, la distance qu'il a parcouru. Faut qu'on essaye dans le local. Eh pas mal hein, pas mal, ça s'est bien vidé hein. Bon maintenant faut rembobiner tout ça là. Ça va être très très long. Le papier toilette c'est sacré. Voilà, impeccable. Parfait. Maintenant on va essayer ce pistolet à papier toilette dans le local. Les amis, c'est parti, nous allons tester notre pistolet à papier toilette dans le local et nous allons voir combien de mètres peut tirer ce pistolet à papier toilette. Je vais essayer de tirer en l'air pour essayer de faire une... Voilà quoi. J'ai vraiment hâte, ça va être énorme. On va brancher tout ça. Est-ce que vous êtes prêts à voir du papier toilette voler en l'air? Attention les amis, 3, 2, 1... Ouh, incroyable. Bon, par contre, ça part pas non plus super loin, hein. Un peu déçu. Hein. C'est parti à peu près à 1, 2, 3... On va dire, ça part à peu près à 4 mètres. C'est pas extraordinaire, pas comme ça que je vais tuer des gens. Mais ça marche. On a réussi à accomplir ce qu'on voulait. Incroyable. Je valide. Ah, ça pue papier toilette. Oh là, il y en a partout sur la caméra là, ça y est. Hop, hop, hop. Maintenant, faut ranger tout ça. Ça va être très très long. Les amis, si jamais il y a plus de 5000 pouces bleus en bas de cette vidéo, on fabriquera une nouvelle arme, mais aussi on utilisera le pistolet papier toilette sur les amis du local. Sur Aiden, sur Geekmap, sur Anto, sur Medris. On leur fera un petit prank et on leur tirera dessus avec le pistolet papier toilette. En tout cas, c'était un petit kiff que je voulais essayer de faire. On a réussi à fabriquer notre arme. C'était sympathique, c'était drôle, simple et efficace. Dites-moi si vous validez en commentaire et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'améliorer pour qu'elle tire un peu plus loin. En tout cas, comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Je compte sur vous. À vous abonner si c'est pas encore fait. Voilà, abonnez-vous pour suivre toutes les vidéos et rien louper. Allez voir ma dernière vidéo, c'est très important pour voir ma dernière vidéo. Et partagez à tous vos potes pour faire découvrir la chaîne YouTube. En tout cas, les amis, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Pika. Puce. Ouh, les nouveaux vêtements de la team Pika sont maintenant disponibles, les potes. Go les choper en description. Il y a toutes les couleurs, toutes les tailles. Donc je compte sur vous. Go cliquer dans la description.